Zami famille à Noël Akay, c'est après que force en maintien de la paix Nations Unies et que nous te connais son nom ministère te quitté paysan et malgré te quitté un avertissement que y a pris donné Leslie Voltaire qui c'est président conseil en transition qui sorti dans parti politique famille Lavalas qui toujours critiqué intervention étrangère dans paysan. Eh bien, officiellement, il écrit une lettre à secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, pour lui transformer mission qu'il a cap dirigé par Kenya après constat échec en mission ça. Donc, en une mission onusienne maintien de la paix. Un secrétaire général organisation État américain OEA qui était déclaré et organisation que là-bas dirigé renouveler support les bail gouvernement et provisoire haïtien dans un message li publié sous compte X li Luisa Almagro et te fait connait li te dans une conversation téléphonique avec un ministre affaires étrangères à Kilti et madame Dominique Antipuy pour faire connait support que yo même yo porté pour le Luisa Almagro invité communauté internationale pour camper bon côté autorité haïtienne pour aider yo assurer gouvernance avec condition sécurité qui nécessaire pour organiser élection qui intègre li condamné zaka violence qu'a fait kounya nan paysan li estimé que communauté internationale doué donc rapidement dénoncer donc zaka violence en sa yo et puis prend mezi qui approprié. Donc nous gagnons Maria Isabella Salvador qui présentait un tableau sombre de pays d'Haïti et côté lui expliquer mardi passé donc nan conseil sécurité et Nations Unies donc il dit que situation li vinn pi grave pendant dernier mois sa yo malgré commencement déploiement mission multinationale et support sécurité cap dirigé par Kenya. Il y a plus passé 700 000 monde qui déplacé en dedans pays donc qui représentait une augmentation 22% pendant 3 derniers mois sa yo. Donc processus politique là malgré quelques progrès initial moins te parler de ça dans mois juillet eh bien Kounia a fait face avec gros défi qui transformer espoir ça dans un gros inquiétude zami famille noyo. Donc Maria Isabella Salvador représentant et spécial secrétaire général et pour Haïti et avec bureau intégré Nations Unies et pour Haïti Buni. Donc li était dans une réunion dans Conseil sécurité Nations Unies et puis il fait gros déclaration ça. Donc il était continué pour le dire côté situation sécurité donc extrêmement fragile pendant activité criminelle yo a vini pi intense donc a gayé en deyo capitale côté li et cité attaque sanglant qui fait 3 octobre par gang et armé yo nan et Balatibonite et nan et Ponsondé donc à côté gen 115 moun qui mouri et puis gen une dizaine de moun qui blessé zanmi fami nou yo donc li indiqué que gang yo attaqué sous l'armée côté gen ti bateau qui fait transport et qui sorti Port-au-Prince pour aller en province et bien gang yo même yo attaqué moun sa yo donc en sous et l'armée. Donc les souliers tout gen yon impact dévastateur que violence en sa yo fait sous population haïtienne et femmes garçons sitou ti moun yo et qui a pas subi gros atrocité gang yo et là-dedans yo touyé yo kidnappé avec violence sexuelle. Donc il dit que gang yo utilise violence sexuelle là comme yon gros âme pour dominer surtout pour dominer donc mesdames yo avec tifio. Donc ensemble avec l'autre groupe qui vulnérable yo bien yo souffri en pile de ça. Donc li et de dénoncer ça zanmi fami nou yo donc nan Conseil sécurité Nations Unies. Et puis tout li déplorer tout donc un progrès qui limité autorité nationale yo réalisé nan mété en application arrangement gouvernance en transitoire que yo té d'accord sérieusement eh bien yo bafré pour ça eh bien yo masqué un désaccord k'ap grandi nan mitan exécutif et bicéphale. Donc en connaissance, donc en frustration opinion publique là face à la dynamique en conflit
qui affecte travail autorité transition yo augmenter et bien qui diminue confiance dans système politique actuel. Donc li observé pendant li souligné que bureau l'a dirigeant a fait effort pour renforcer collaboration ça dans mitan exécutif haïtien. Donc encourager yo pour mettre les accords yo de côté et puis pour yo concentrer yo donc sous bataille contre insécurité, réforme gouvernance yo et puis et préparer bon gens élection. Donc est-ce que gouvernement qui l'a apka arrivé faire différence là au moins rétablir sécurité donc dans un pays pour organiser élection et bien gen en pile moun donc qui posait cette question ça et surtout donc monsieur opposition pluriel yo donc qui sémenté yo même bon côté pa yo donc il a déchouqué gouvernement et en place là. Donc c'est raison ça yo annoncé une série de mouvements qui va commencer à partir de mois novembre non mais 1er novembre qui va tirer là il y a un gros mouvement qui va déclencher dans tout le pays pour yo arriver déchouquer donc monsieur yo. Mais avant que moi faire entendre toute déclaration ça yo faut que nous dire tout gagner ancien colonel Imler Rebu donc qui pas fait de route là aller tout droite pour le dit moun qui mettait nous dans ça que nous y là c'est États-Unis. Donc c'est États-Unis donc qui gen mel trempé nan descend nan l'enfer pays d'Haïti. Donc il fait gros déclaration que nous pral étendé talé comme ça. Mais entendez quelques déclarations que monsieur Réveil National yo fait. Donc côté yo annoncé pral gagner donc un gros mouvement levé campé dans tout pays hein, à partir de 1er novembre k'ap pointé là. Yo comprendre. C'est nous-mêmes qui semblait avec yo y a fait souffle. Dans situation pays a hier je dis. C'est pas opposition qui te met des âmes non mais. C'est pas opposition qui va au Dieu bien faire. Nous dit garde tête yo, garde moun k'ap courir. M'a dit yo Haïti sous époque esclavagiste. T'es dans situation pareil. Saint Donat t'es distribué 30,000 fusils par esclavio. Et c'est avec nous t'es fait la main indigène. Et qui permettent jodi a yo gen bout de ça si jodi a dans sa pays a hier là yo pourquoi ka comprendre c'est maman yo c'est papa yo c'est frère yo c'est sœur yo yo mette en difficulté si yo pa retourner zanne pou zanne bay moun ki te bayol là la trop tard pour yo les ravine prendre conscience jodi a nous mandé tout haïtien de manière générale qui wè dans état pays a opposition mandéo pour nous faire un seul coup à coude pour nous retirer Haïti. Cette situation, où est-ce qu'il est justement en train de connaître des moments de piétinement par ces mêmes filles et fils, mais c'est plutôt également des conseils qui s'arrangent comme complices avec la communauté internationale pour détruire le peuple haïtien. On le voit maintenant, notre cher Haïti est en danger, comme vous venez de le dire. Mais pour l'instant, je vais m'adresser directement à tout le peuple haïtien, quel que soit l'endroit où vous êtes dans le monde. Votre pays est en danger. Haïti, dans le temps, qui a été connu comme étant la terre de la liberté, veut perdre son sens par rapport à la façon dont on savait mener les batailles. Mais heureusement, aujourd'hui, nous qui sommes sur cette table, on se regroupe au cœur d'une opposition qui est composée par différentes entités politiques. C'est pour la première fois que cela arrive dans notre histoire d'opposition dans le pays. Cela veut dire que nous ne sommes pas une opposition qui mène une bataille d'autres trois que je m'y mette, mais plutôt il n'y a que le pays qui nous intéresse. C'est le bien-être de notre pays qui est sur la table maintenant. Parce que nous nous contournons tous autour de ce cercle qui est Haïti, notre patrie commune. On le voit, il y a ce serpent à sept têtes, deux cornes et une queue qui nous plonge davantage dans l'abîme. Et ceci, ils sont tout simplement l'objet de la corruption sur toute la ligne. L'objet d'arrogance également. Parce que lorsqu'on voit trois membres d'un soi-disant conseil présidentiel qui sont indexés
d'une affaire de corruption au niveau de la BNC, après tout ce qu'ils ont fini de faire pour rançonner les personnes, leur faisant croire qu'ils vont leur et légitimer au niveau de la primature, ce qui n'a pas été fait, et jusqu'à ce que ce soit un représentant même du département d'État qui est pour l'instant arrivé à la primature. Et qui a fait des annonces néfastes, des annonces et pour la galerie, lorsqu'il a dit lors de sa prestation de serment qu'on va prendre les territoires, on va libérer le pays, maison par maison, zone par zone, quartier par quartier, département par département. On n'a pas trop bien compris dans le temps, mais maintenant nous, qui sommes de l'opposition, y compris la grande population, nous comprenons tout carrément qu'il a voulu lancer un message pour les bandes armées, leur disant qu'ils doivent conquérir Haïti tout entier, maison par maison, quartier par quartier, zone par zone. C'est ce qui est en train de se faire maintenant. Parce que lorsqu'ils étaient venus, il n'y avait pas cette histoire de Gauthier. Il n'y avait pas cette crise entre Solino et les autres zones environnantes. Et maintenant, c'est ce qu'on voit. Il n'y avait pas cette crise à Tabar. Eh bien, voilà, nous sommes dans une situation pareille. Au bas de l'Artibonite, notamment à Pont-Sondé, où est-ce que les jours passés, on venait d'exterminer une grande partie de la population, soit environ une centaine. Et nous, nous crions haut et fort, cela ne peut pas continuer pareil. Et nous allons nous mettre tous qui nous est possible pour l'instant, tout ce que nous avons comme outil de bataille, nous allons les utiliser pour libérer le pays. Parce que, quelque compliqué que soit la situation, il faut que le pays se réveille de son sommeil de mort. Il faut que toute la population trouve l'opportunité de vaquer dans ses activités, comme cela avait l'habitude de se faire. Aujourd'hui, je veux m'adresser à la classe paysanne, une classe qui souffre de toute forme de déboire, parce que depuis le déroulement même de cette crise, où est-ce que des bandits font irruption dans plusieurs zones, ce sont les paysans qui paient les prix. Nous allons surtout nous adresser à la classe étudiantine, qui pour l'instant, il n'y a vraiment aucune structure au niveau de l'État, de l'université d'État qui est opérationnelle. Sinon que des étudiants qui essayent maintenant d'être présents dans leur salle, mais souvent sans la présence des professeurs. Et ça nous tue davantage parce que c'est une quête même contre le savoir dans le pays. Et nous le comprenons très très bien. Nous comprenons également quelle est la participation de la communauté internationale quand à chaque fois que les bandits font des interventions dans une zone, et nous l'entendons tous. Et je vais le répéter, ils disent tout carrément, nous allons le faire comme le blanc le demande. Et là, on comprend très très bien où est-ce que nous sommes. Et je vais terminer pour dire, et aux hommes qui s'accaparent du pouvoir pour l'instant, on comprend très très bien ce qu'ils sont en train de faire, parce que ça c'est de la foutaise, quand lorsqu'on entend un soi-disant ministre de la justice et de la sécurité publique, qui, pour l'instant, se trouve dans l'obligation de procéder à la publication des notes et faisant croire qu'on est en train de comploter contre le Premier ministre. Quelle horreur! Un ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Et le pire de tout ça, il parle de son service d'intelligence. Votre service d'intelligence vous donne des messages à ce niveau, des informations utiles, au lieu de chercher à savoir de quoi il en est, et puis vous ne faites que publier des notes. On vous comprend très très bien. Et ça, c'est de la diversion. Mais quant au peuple, il est très motivé pour mener la bataille afin de reprendre la souveraineté du pays. Merci beaucoup. Jean-Tel Joseph, monsieur vraiment fâché. Donc, monsieur fâché de ça qui était passé 17 octobre, là, côté que il dit que le gouvernement était sorti pour assassiner yo, côté que yo crasé tout et tir rassemblement qui était commencé fait et 17 octobre, la police a été utilisée en pile la gaz lacrymogène, donc quand tiré à balle réelle sur monsieur, t'es fait crasé mouvement. Donc que t'as fait contre le gouvernement, surtout que Carlos Sécul qui c'est ministre et justice là, donc t'es metté de yo et surtout
état d'urgence qui a été renouvelé, donc il était sorti 3 octobre pour arriver, donc et 3 novembre et cap et pointé l'ancien colonel Imler Rebu lui-même qui détaillait histoire ça, qui était déjà quoi que surtout donc proposition de transition avec présidence plusieurs têtes ça pas d'apporter un résultat sérieux vraiment pour pays. Donc au contraire, donc c'est descendre la descendre dans pays dans l'enfer. Donc qui gagne mais États-Unis qui trempé la donne. Donc en temps de déclaration ça et après directement nous pour aller ouais colonel Imler Rebu. Pour renforcer un programme de propagande que le mettait depuis l'arrivée au pouvoir. Et sur la base de quoi nous allons peut-être analyser ça après. Et il est un acteur. Et bagaille pour assassiner la population. D'ailleurs, cette systématisation de l'assassinat de simple monde qui l'a caillou, qui n'a pas de compte avec personne, qui n'a pas fait rien, et puis deux mondes rentrer, tuer, mettre du feu dans le caillou, c'est une politique de la terre brûlée. Or, historiquement et à travers le monde, l'offre politique de la terre brûlée, c'est que ou déraciner deux mondes dans les espaces physiques que là depuis au fait, c'est parce que l'espace côté est important pour l'autre groupe de monde. Il y a fait un gens pour évacuer. Et même leur programme Biden, par exemple, son programme d'évacuation massive pour aspirer le plus de monde possible, déplacer les gens et pour organiser un espace physique. Génocide ou FR, c'est un bagage qui lié à un objectif qui n'a pas gagné pour voir avec Haïtiens. Ou même, les gens, tout simplement, c'était des personnes qui étaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Et là, on regarde parallèlement à tout ça, dans ça qui est rationnel, qui est logique, que le monde qui a gouverné a fait pour eux, a fait, pour eux, non, l'autre programme, ils n'ont l'autre rêve, qui a fait pouvoir à venir et à régler. Et ils ne sont pas fous. Ils ne sont pas fous. Ce sont des gens placés dans une position pour faire exactement cette affaire. C'est un film qui a joué. Yo même yo c'est des figurants avec un rôle qui écrit qui a exécuté. Pas gen personne moun qui a joué dans l'inconnu. Maintenant l'Europe même gardé même au niveau CPTA. Par exemple l'Europe gardé depuis 4 mois moun yo ouais c'est plus guerre de position et après pour cap occuper de positionnement de force et de pouvoir pas dans l'objectif pour faire bagaille pour population hein, mais pour satisfaire ego yo. Ou bien prépositionner pour une histoire qui a fini et que vous connaissez très bien. Et que moun kap mouri yo, yo pas un de picture là du tout, yo pas un de papier moun qui écrit scénario film non. Il y a deux groupes, il y a trois groupes, et groupes qui est au pouvoir, qui placé par de gros groupes d'intérêt étrangers. D'ailleurs, vous tendez dans la situation à pied là, autant de gens qui commençaient à remettre M. Sola, qui était un agent puissant en communication politique et qui était arrivé à mettre au sérieux de monde au pouvoir. Il y a toujours été dans le projet. Donc, il y a des gens qui sont dans le projet. Il y a des étrangers qui connaissent que Haïti est un pays ultra riche, qui ont le bagage au besoin, qui sont dans le projet. Et ils ont tous les deux, par action ou par omission, mettre au sérieux de monde, qui ont sacrifié de monde qui sont à côté. Pour libérer des espaces, je suppose, ou même Madame Bonneau, pour l'image qui sa zone grand rue devenue. C'est presque une forêt, et toute zone en bas de la ville là. Et ceci prend, depuis un point d'aviation, monter jusque vers Delma 18, et objectif là, c'est comme pour Solino, etc., pour arriver juste dans le carrefour aéroport, et ensuite pour chavirer, aller. Traverser, aller juste la lutte. Donc, c'est un projet économique, c'est un projet économique, et qui est supporté par des agents qui ont mis dans le pouvoir. Par exemple, il y a des signaux très clairs au Cap. Ouais, et est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, les Poukouni arriver au pouvoir en Haïti, et tout le monde qui ne s'est pété à l'unanimité voter pour lui. Il y a un bagage qui n'est pas normal. Même si tu as 6 personnes qui ont voté, tu as 5,5 qui ont voté pour lui, mais tous les 6 ne sont pas voter pour lui. Un seul coup, il y a un bagage qui est sur le côté, un bagage qui dit. Lui, il paraît comme un monde qui fait 12 ans, qui part en Haïti, qui part dans l'espace là. Lui réclame pour lui
tout ministère clé l'état yo l'autre monde qui en face au conseil de lieu c'est pas ça pas comme fait au hasard parce à qui mérite à qui pouvoir et à qui mérite que Gary Koni gagne pendant ces 12 dernières années en Haïti à part si nous retirer histoire personnelle li na fait politique en Haïti l'été avec Bill Clinton dans ce IRH qui était un gros désastre économique où tout l'argent pays a été évacué vers la fondation de Clinton. Ensuite, ils font retour en matière politique. Non, bref, fait avec le président Matéli, qui n'a pas fait 6 mois l'aller. Il quitte le pays, 12 années après, il retourne et il remet les clés de la ville. Donc, ce ne sont pas des accidents. Maintenant, la seule chose, c'est que ces populations lui-même qui a payé conséquence, grosse stratégie grenade, tant agent ou gain souterrain que ça ou gain qui a évolué à l'étranger pour des intérêts que nous connaissons. Mais qu'on y a là, comment camper bagay ça? Parce que faut nous camper. Faut nous ta camper. C'est pas parce que gain une nécessité pour joindre des solutions aux problèmes en face ou. Qui dit qu'on est capable de réunir les conditions. Parce que pour résoudre ce genre de problème, il y a forcément l'analyse de votre réalité. Chacun face au roi, il faut qu'on bagaille qu'on est opposé à lui. Et là où il y a un conflit, et ce conflit qui est en Mladen, on rentre dans la règle des forces proportionnelles. Cela veut dire que qui bon ou rien de monde qui a des âmes, qui quantité des âmes que vous avez, qui qualité des âmes que vous avez, qui motivation que vous avez, et qui troupe que vous avez qu'on a proposé à lui qui vaut trois fois la valeur. Avec une autre réserve d'un cas. Ça, c'est une approche technique là. Maintenant, ce n'est pas forcément l'on problème devant ou une seule méthode pour qu'on résoudre. Par exemple, sous-près de l'histoire d'Haïti, l'énormité des forces coloniales qui étaient dans la colonie par rapport à force que nous gagnons souterrain, demander pour nous rentrer dans une stratégie qui est différente de la stratégie classique de l'alignement et de l'opposition des forces. Par exemple, c'est très clair aujourd'hui, si nous avons pensé pour nous aligner des forces proportionnelles à Jean-Monsieur d'après les bandits, organiser souterrain, d'accord, nous avons un peu de motivation personnelle, nous avons en pile force parce qu'il n'y a pas un lien qui est en face. Et sûr, très certainement, il y a des liaisons et des contacts extrêmement puissants que même le gouvernement n'a pas capable parce qu'il y a des circuits pour approvisionner tête yo, en armes et en munitions en permanence. Et ensuite, il y a la stratégie de la diversion, de la diversification et du personnel. Ils ont couru un espace territorial qui est extrêmement important. Ils ont pris deux départements centrales pays, le département de l'Ouest et le département de l'Antibonite. Ce n'est pas erreur. Il y a des calculs bien déterminés qui sont liés à la richesse qui gagne dans la zone d'Ayo et qui sont liés à une pensée stratégique. Maintenant, qui ça nous a opposé à l'Haïti? Je vais retourner dans l'histoire d'Haïti. Oui, nous avons proposé la force, mais l'on prend tout travail qui te mène à la guerre de l'indépendance. Ce n'est pas le travail Jean-Jacques Dessalines de finir. C'est un travail souterrain et construit pendant plusieurs années que Toussaint Louverture s'est fait en apprentissage, en infiltration, en utilisation des renseignements, en utilisant les forces hégémoniques l'une contre l'autre. C'est tout mon travail de passer pour faire. Mais ça t'a demandé que vous-même, vous avez un objectif, un désir de résoudre le problème. Non. Mais il y a une méthode pour l'autre problème de vous, qui n'est pas résoudre. Mais vous pouvez stopper la force là. Maintenant, est-ce que vous avez leur analyse des faiblesses organisationnelles, des structurations intentionnelles qui font? Par exemple, si vous analysez le lien historique, moun qui te prend décision pour te écraser la mer. C'est pas une décision qui te prend l'air comme ça, non affaire de fanatique et que nous c'est tel groupe, nous c'est fanatique Laval, là soube nous c'est fanatique Makout. C'est un bagage qui est allé beaucoup plus loin. C'est de mise en place et
leur entre une stratégie criminelle étrangère qui est liée à des intérêts économiques forts, ils n'ont pas pensé en termes de moins de 20 000 combats là dans 3 mois pour nous être en bon. Ils ont pensé en termes de 15, 20, 25 ans. Et aujourd'hui, il y a une conséquence pour une série de décisions qui étaient prises 20 ans en arrière. Bon, c'est une série d'acteurs souterrains qui étaient participés dans le bagage. Même j'en ai passé tout. Nous n'avons pas forcément connu dans qui ça a eu. Par exemple, on prend M. Bandi qui l'a eu, qui Bandi nous connaît. Là, on a pris un dedans qui ça a eu en terre. Il n'y a pas forcément qu'on est dans qui ça a eu. Je dis que tout le monde a eu un boulot sur la route pour des créations pour écouter à jouer. Mais qu'on y a moins sûr que vous venez rendre compte parce que vous tout pouvez chercher un exit. Parce que c'est vous-même qui avez utilisé comme instrument. Forcément, il y avait éliminé. Mais on a gagné de l'autre qui a venu. Donc nous, on a un travail qui est extrêmement complet, qui t'a demandé du monde qui comprend la situation. Et qui voulait aborder de manière tranquille et de manière très technique avec les potentialités qui sont les nôtres. Mais en attendant, M. Rébugon, décision qui prend une volonté au plus haut niveau de l'État, c'est-à-dire pour que vous pacifiez le pays, mettez bandits, ça y est, hors d'état de nuire, et Jean Yabdia, en pile victime dans la population civile là. Jeu macabre, projet macabre que WAP décrit nous là, est-ce que force multinationale là, ils sont partis de projet, ils impliqués là-dedans, ils l'ont là, implémenté? Non, force multinationale là, c'est un élément de décoration que il y a un monde qui connaît, ou pas ouais, depuis plusieurs années. Chaque fois international a venu, il y a abordé des questions hein, et puis il nous met des propositions que il peut implémenter et puis m'analyser le moins tout à son menti. C'est pas comme ça. Moi, c'est pas parce que moi besoin foncher le ou bien besoin monter ça me connaît ou bien c'est parce que bagaille dit à faire des gros référentiels techniques et l'autre référentiel technique ça il dit a pas capable ça. Par exemple, pour rappeler, il y a un groupe de monde qui a été kidnappé, qui a été kidnappé, 18 monde, 17 Américains, 20 Canadiens parmi eux. Et puis, au plus haut niveau de l'administration américaine, Jacques Sullivan, conseiller à la sécurité nationale et à la Maison-Blanche, dit que le président Biden son bien mis en monde en pile et que il y a des gens parmi les gens et qu'il a pris disposition pour y faire des opérations pour délivrer les gens. Et que l'opération ça va le faire avec un grain de cheveux qui a tombé dans la tête. Je dis waouh! Mais ça veut dire qu'il n'y a pas existé dans le métier qui est le métier préparer, concevoir, préparer, exécuter une opération de Mbonel dans le cadre des prises d'otages. Ça veut dire qu'il y a menti. Maintenant, ça vient attirer l'attention. Si on va mentir, c'est que mentir, c'est une couverture pour une vérité que vous parlez, nous connaissons. Mais je décris très clairement comme un bagage impossible sur le plan technique, ça veut dire son menti. Maintenant, le mensonge n'est jamais très brillant, très intelligent. Donc, où est que vous avez vu une pompe le cinéma après pour vous dire que vous êtes sorti, parce que vous avez l'air de vous blesser ni mourir, et que vous tout est retourné dans le pays. Cela veut dire que dans le métier, vous connaissez, vous faites ça que vous connaissez, vous faites pour faire. Et ça, c'est ton parole qui est pour couvrir, ça, vous avez le faire. Et pour une bagage force multinationale que vous rentrez en Haïti, c'est une bonne blague. S'il y avait de fins patriotes qui étaient capables, plus d'ouverturiens que des saliniens, qui étaient capables de dire, OK, blanc a passé nous dans le tintin, OK, on monte en stratégie pour nous prendre notre propre piège. Non, nous n'avons pas de cette intelligence. Mais on ne peut pas permettre une qualité de moutarde arriver dans une zone où les bagailles ont parlé. Donc, avec force multinationale, on ne peut pas trouver que le secrétaire d'État Anthony Blinken est rentré en Haïti. Il vient raconter une bêtise sonore pour dire que vous pouvez prendre des mesures pour transformer force multinationale en force de maintien de la paix. Je me dis, il faut que les gens sortent seulement, sortent net. Pour ta quoi on bagaille comme ça. Parce que historicité question, pas permettre, c'est ça le diable. Mais qui ça nous a remarqué? Deux jours après,
sénateur Edgar Leblanc monter là répéter même bagaille là dit et Blinken dit à l'asile de l'Allemandel devant au tribune des Nations Unies à la tribune des Nations Unies maintenant qui a venu arriver deux jours après sous tribune des Nations Unies côté demander ça conseil de sécurité a prolongé mission qu'il a même mission qu'il a comment comprendre ou dit on déployer 1000 nèg pour une situation que vous avez besoin d'engager 10 000 personnes pour résoudre le problème d'après. Bon, pas dire résoudre le problème. Tout à engager 10 000 personnes pour stopper la tribulation de la population. Maintenant, vous dites que vous avez 1000. Quand vous dites que vous avez 1000 personnes, vous prenez charge pour vous avez 1000 personnes parce que vous n'avez pas de vous avez votre métier national. Parce que son bagage qui vient à la géopolitique qui est bloqué par rapport aux intérêts de la Chine et de la Russie dans le conseil de sécurité. Maintenant, on dit qu'on va voir 1000 policiers pour venir résoudre un problème de nature militaire. Donc, on va une deuxième menti. Et puis, on dit qu'on va prendre disposition pour faire lui. Et puis, dans 1000 personnes, on dit qu'on va voir 380. Et puis, après, on dit comme ça, on va voir une corps. On va voir contribuer bosser ou pas faire, si on prend une décision pour pas faire. Et puis, on va dire qu'on va voir un corps pour faire. Et puis, on va les faire. C'est un problème c'est que, et l'argent qui s'est capté à travers le contrat américain. C'est menti, c'est blague. Maintenant, le Blinken vient dit ça. Ça le dit, c'est ton menti. Sénateur Leblanc a appuyé notre tribune des Nations Unies deux jours après. Toutes les forces multinationales ont couru. Quand il a chanté, il y a un Jamaïcain, il y a 150 nègres, il y a trois nègres qui ont pu. Non, il n'y a pas de bêtises. La force multinationale, son élément de décoration en de toute tribulation qui a passé là, pour faire courir un bagage qui a fait, et puis y a le temps a passé jusqu'à ce que l'élection aux États-Unis fin faite, et puis qu'on y a eu le bras réorienter maintenant pour aller dans la même direction hein, avec le même acteur, le même agent local, même traite local, toujours sous souffrance population lui-même. Et nous devons attendre nous là à un autre match, si je suis capable d'exprimer comme ça, après l'élection fin faite aux États-Unis. Évidemment, évidemment. Maintenant, je vais vous dire qui est capable d'étonner, qui est capable d'étonner. Pourquoi on est plus dans le marché sous bagaille là? Les gens qui ont porté un gros pansement dans la situation à vivre là, ce n'est pas sérieux, c'est bandit. Vous comprenez pour qui ça? Je dis qu'il y a une réalité du contrôle territorial. Il y a une réalité du contrôle technique. Il y a une réalité tout, même ont entravé. Parce que il y a tout un système ben, il n'y a pas continué à terre, il y a cherché un trou pour dire qui j'ai eu sa cap sorti. Maintenant, c'est eux-mêmes moi qui vous a fait un autre calcul. Et puis pour vous avez ton grain de sable dans la machine que mettre. Banditisme global là. Parce que moi, je pour vous gros des autres concernant dans le pays, garder, chercher côté mouvement économique là. Pas jamais bien chaos qui organise dans le pays, c'est mon ouais qui a fait chaos qui met chaos. Il y a de gros intérêts économiques ailleurs, par exemple, prenez toutes les autres affaires là. Si vous avez contrôlé les circuits, qui lie Haïti à la Jamaïque, à la Colombie, dans le trafic de drogue international. Par exemple, attention, parce que vous ne pouvez pas attention ailleurs. Et le gros flux d'argent qu'a fait dans tout le trafic, le kidnapping, etc. Et pas qui s'écrit, ils ont évacué. Maintenant, les gros investissements qui viennent pour le faire. Par exemple, où est toute zone depuis pointe et chancel là? Les motos ont évacué toute zone ça de la mer arrivé jusqu'à Matissan. Ton gros projet international lié capitaine pour venir installer le bois de forêt qui peut finir établir dans toute zone. Maintenant, est-ce que nous sûr que pas des intelligences locales qui ont concentré sur ça pour être qui ont fait un revirement de situation en leur propre acteur que nous utilisons. Mais ça nous a dit de la haute stratégie guerrière. Et nos gros intelligents, combien de risques en Haïti nous est, l'agent intelligent, nous reprenons pour faire mettre dame, pour faire vol, déguisé,
Donc, nous parlons d'un niveau monde qui a une capacité pour aborder le problème ça, pour d'abord joindre une suspension, un tempo la donne, et ensuite pour commencer à bâcher vers les solutions. Et forcément solution yo, in fine son solution négociée. En approfondit ça un peu plus, les bandits qui sont capables de débloquer la situation, camper sous et terreur là, mais yo même yo mette bar la très haut, nous ça remonte carrément il y a quelques mois, c'était Amnesty et son bagage qui semblait à faire chemin et dans l'international là, songe madame Routo par exemple qui t'a fait prière et yo dit nous le barbecue pour parler avec elle mais qu'on y est là au niveau de organisation société civile et peut-être population que nous pas vraiment tendé sous ça réponse c'est capable non mais ça veut dire ou série de monde yo même qui fait tellement de mal à société à combien monde yo tué kay monde yo prend et des monde yo lagué et dans la rue mais jodi a y a mandé nous et Amnesty sans que nous pas connait vraiment si et y a respecté moyo moi j'ai conviction que Monsieur Bandi, ça est le bandit intermédiaire. Je m'en prends une image au chantier. Et bandit ou qui est Noyo, que nous tous connaissons Noyo, qui des fois fait vidéo dans la radio, ce sont des contre-maîtres sur un chantier. Et il y a des gens qui ont pu assez moitié, il y a des gens qui ont levé bloc. Ce sont des manœuvres, c'est des gens qui ont pris dans la radio. Et l'infrastructure a fait exprès même. Je prends deux timoun, 15-16 ans. Je regarde dernièrement, imagine, je regarde dans le bar à Kaye avec Canaan. Ou est-ce que deux timoun 10 ans? Et je ne prends pas choisi au hasard. Le par exemple, des forces de l'ordre, ou bien le monde qui pense, qui pense stratégique, du point de vue opérationnel. Et pour vous parler de votre timoun 10 ans, ça va le faire. Ou à tuer, ou à stupide, vous faites ça. Mais je prends pour ça même. Pour qu'on mette devant et choix est difficile ça. Maintenant, si on ne veut pas rien en bagage, mais ils sont extrêmement actifs, ils sont aussi responsables que criminels, ils ont tué mon tout. C'est pour ranger, c'est pour poser une difficulté sur votre part. Ensuite, pour gagner, monsieur, que ils ont infiltré dans la police, ils ont fait le café et qu'ils ont cherché la vie. Qui besoin de cobre rapide pour qu'on puisse au cabal de Biden ou bien ceci dans bagaille là. Ce sont des boss patrons. Monsieur, où est-ce qu'on est nous? Ce sont des gourés, des contre-maîtres. Mais vrai, mes chantiers, c'est pas eux-mêmes. Je dis, lorsqu'on est venu avec pour amnistie, toute bagaille ça. Et moi-même, je connais qu'il y a des gros efforts qu'on fait pour étirer le café pour retirer cette chose dans bagaille ça. Parce que je suis conscient, il y a deux problèmes. Ils sont conscients par rapport, et ils disent ça tout le temps, par rapport à l'histoire qui s'est passée devant eux avant. Ils ont dit, ils connaissent, ils ont dit, ils ont dit, et ils parlent encore, etc. Ils connaissent eux-mêmes, ils ont joué pour parler à tout. Maintenant, ils ont lié avec certains secteurs qui ont porté projet et dialogue là, projet dialogue avec eux, et qui ont l'autre qui dit carrément pour eux, par amnistie, etc. C'est des projets parce qu'ils sont liés par rapport à la conscience que vous avez côté. Mais ils ont même tout. Il y a des gens pour éliminer. Ils ont éliminé quand même. Maintenant, ils ont même tout. Ils ne sont pas sortis. Ils ont cherché qui ça veut faire pour être sorti de tête. Et moi, c'est là. Et moi, j'ai un peu de théorie de la et pour avoir une sorte de conscience pour être viré. Et viré dans l'autre position. Si on bagage qui est possible. Parce que ça qu'on peut analyser possibilité ça, il faut retourner dans l'histoire d'Haïti. Parce que les gens qui ont conduit la grande révolution à Saint-Domingue, ce n'étaient pas forcément les esclaves des champs, non. C'était des esclaves de maison qui étaient réunis conditions pour y mettre avec esclaves des champs pour tout ce qui est sorti là. Donc nous devons bagarre pour mieux ça me garde du cap de courage en bien monde qui est très long. Parce que son bagarre qui est très complexe ou pas capable résoudre un problème complexe avec des solutions rapides.
Reste entendu que vous conscient que gros problème là et que vous cherchez solution. On ne peut pas nous causer ça. Tout le monde qui est dans, par exemple, dans CPC, dans Gary Cogny, etc., c'est de l'autre acteur qui a réglé de l'autre bagaille pour propre tête par eux. Si ça n'a pas marché, il y a peut-être parce que le vent pile l'argent déjà. Et nous connaissons l'histoire avec l'argent qui a passé, et toutes les zones où il a passé dans CPT. C'est ce qu'on appelle des épiphénomènes. Donc, pile l'autre bagaille qui passe que nous ne connaissons pas. Le monde a parlé pour préparer, pour remplir l'argent. Si on obligé de sauver, après que les vieux comme ça, elle met dans la même boîte que ça qui est passé en 20 ans. Il a lagué aux États-Unis, dans la structure offshore, et que les États-Unis contrôlent, ils contrôlent tout le mouvement à la terre. Donc, ce sont des gens qui viennent voler, même pas pour tête. Parce que les gens qui ont pris sanction pour Dieu, qui ça a fait? C'est là que j'ai été pris en bloqué, qui est-ce qu'a utilisé? Quand ils ont déposé là. Donc, nous avons un bagage extrêmement complexe, qui t'a demandé pour nous commencer. Rentrer sous piste pour nous avoir des solutions, nous avons des gens conscients qui comprennent le problème, là, qui connaissent, faut que nous mettions une stratégie pour stopper mal immédiat. Et ensuite, pour au fur et à mesure, nous faisons un plan de 10, 15 ans pour nous, qui vient d'en sortir dans le ça, ou bien par la négociation, ou bien par l'affrontement. Mais si nous prenons l'affrontement, très certainement, là, beaucoup plus long, beaucoup plus doux. Ou du mal à la colonel Rebu qui est extrêmement dur parlant de membres CPTO, dit que ce sont des gens qui viennent voler. M'a noté lorsque il a été joué un arrangement avec CARICOM. Et pardon, tu n'as pas joué ton bail? Non, ça va, vous écoutez. Ok, engagement, ou tu es le premier monde qui t'a dit non, bagage ça, il n'y a pas besoin de marcher. Et puis, après, ou aider à l'installation et même conseil ou aider que et pour bah la fête au niveau de palais et national et puis gontitan yo pas tant d'eau et puis et ou vin reafficher mais c'est découvri moun sa yo te vin voler ou bien qu'on y a mando mais ça qu'a passé à rebu qui gen ou connaît moun yo voler yo vin voler et puis ou soutenu yo quand même. Écoutez, moi considère tête moi comme un médecin. Là un médecin dans l'hôpital, yo pote bali un monde pour être humain qui blessé. Il va vraiment décider être humain ça son volé l'été, son bandit l'été, son criminel l'été, son bon monde l'été. Dit qu'il y a un monde devant qui blessé ou lui c'est pas seul. Moi c'est un citoyen en dans pays. Moi, j'ai deux mondes, moi, si j'ai travaillé ensemble avec eux depuis près de 2 ans. Nous arrivons à une option stratégique. Il y a un autre événement qui vient de rentrer, par exemple, si mon idée prévoit, moi-même, moi, j'ai cité avec le docteur Yel, il me dit, ouvre long trou. Par contre, ni qui profondeur, ni la jette trois, ni qui boit au fourré trois, même quand on va tomber long trou. OK? Mais, de fait, c'est pas magie, je vais faire pour me donner d'après rentrer long trou. C'est une analyse qui est liée à une lecture sociologique et psychologique et géopolitique de la politique globalement dans la zone. Effectivement, tomber dans le droit. Mais là, tomber dans le droit, on a donné qui changeait. Mais la donnée a changé. Et que, et CARICOM dit, monsieur, pour vous réunir, vous voyez un papier, vous dit pour vous signer, pour vous faire partie du gouvernement qui va lancer la parole d'accord pour vous signer. Pour force multinationale là, puis moi-même, moi, je dis, monsieur, si nous voulons signer pour moi, mais même pas peut être mettre signer dans ça. Je rabats le signer tout. Parce que je connais premièrement l'irrationnel et deuxièmement, c'est rentrer dans un plan que moi-même, moi, pas connais. Maintenant, moi, je dis, oh non, même ensemble avec eux. Est-ce que vous pensez, madame Marie-Lucie, pour nous, je vais appeler madame, dit, ok, je compte tout le bagage, je vais le délivrer à Haïti. Pourquoi? C'est pas vrai. Donc, c'est un travail du fourmi qui prend du temps. Qui prend des gens, qui prend des alliés, qui prend des ouvriers de toutes couleurs et de toutes natures. Maintenant, ils viennent arriver, ils montent ces petits. Ils prennent le métier 9 mounades. Mais je dis, mais mes amis, nous tous connaissons ça, pas qu'à passer. OK? Les papes marchent, ils ne peuvent pas nous 4 mois pour nous tourner côté, pour nous dire, ça, la déraille dans nous. Mais ils ont décidé, ils prennent le faire. C'est comme par exemple, un citoyen, un abdominé qui a besoin de moi. Et puis, il dit, prends la télévision nationale pour un coup d'État qui fait. Moi, je suis d'accord avec le coup d'État.
Moi, je suis pas d'accord avec le coup d'État, mais le coup d'État, c'est ça, une situation de force en politique. Kounia, c'est pas ça, je ne sais pas si je c'est ça que dévome nos démocraties. Maintenant, le monsieur Fini, programme à faire, il a fait ses pétés. Maintenant, qu'on y a moi, il fait un plan pour y aller installer tes yeux. Même si mes amis nous font, nous pas qu'à faire ça, si elle fait ça, nous tous allons mourir. Il n'est pas qu'à faire comme ça. Je dis, en qui je vous ai fait. Je descends, je vais faire, qui ça me fait? Comme médecin, je vais empêcher les gens de faire ma yoa. Il y a des gens qui sont dans ces pétés. Qui n'a plus au sommet de l'État, la présidence de la République, qui était dans le courrier, veste déchirée, ça mourit, ça blessé, etc. Mais c'est, je suis un médecin. Je connais si vous avez des guérisons, mais ça, ça va faire me connaître que j'ai un problème, très certainement. Moi, je vais faire ça qui techniquement fait pour faire. Et puis, moi, je vais l'homme, et comme de fait, je vais monter le gouvernement. C'est pas rien, même pas ça, mais je vais un job. C'est pas ça, même pas ça, mais je vais position. C'est pas dans même pas dans même opposition pour toute belle théorie que tu es pour moi qui j'aime capter au pratique ou ça me cabrimette. C'est eux même qui connaît que ça a fait à pas matcher avec monde que mien. Ils ont pas même parlé de ça. C'est pas regarder ça dit non. C'est pas les ont pas même c'est bagarre à faire c'est en de me dire que ouais moi et m'a dit au sommet par exemple m'a dit tout le temps que ou bien sénateur Edgar Leblanc comme tu es un homme artisan qui était pour choisir comme meilleur fille qui me pensait que tu es un cap qui est un moment pour y aller. L'image en conjoint, sinon, qui est en fait de trahir disposition. La première action, il a été le Judas de la première heure qui a mis des signatures dans en bas une résolution qui est contraire à toutes règles que nous mettons pour aborder et. Mais colonel Rebu, ou pas qu'a dit que ou aider par exemple dans cas de sécurité pour installation et pour virer d'eau ou pas virer d'eau du tout et parce que ou gen ou impliqué dans la qui m'a dit là jusqu'au ou gen représentant bien content ou venir avec le cas Edgar Leblanc là et m'pesé mom mais ou gen représentant dans CPTA qui en plus, t'es président jusqu'à quelques jours là qui est remplacé par Leslie Voltaire malgré n'a plaigné. C'est-à-dire l'autre monde qui vient vous l'avoir au chapitre d'un collectif là que Edgar Leblanc et pas jamais nous réglant rien pour lui nous pas informé de sa capacité à note sur note et pour nous exprimer et appréhension nous et mais qui ça passé mais nous toujours soutenir jusqu'à ce que le scandale qui vient arriver dans le conseil présidentiel là a fait et braquage et BNC qui impliquait trois monde et conseil présidentiel là nous affichons nous un peu plus après rapport ULCCA qui dit effectivement monsieur Yogon Bagay pour ouais dans ça effectivement il y a acte de corruption et nous dit nous rappeler Edgar Leblanc lui fait quelques jours pas ouais et puis nous elle sorti là en dimanche bien habillé bien chelbert et monde que li pas d'accord que li pas signé dernière résolution parce que le pas comprendre que moun sa yo accusé après rapport ULCCA que pour continuer et fonctionner avec eux mais nous juste pas attendre et puis li malgré collectif la te rappel li retourné sans que li pas gain explication pour le bail nous juste wel dans cérémonie bien chelbert ben c'est ça m'a dit là oui madame Bono. Et vous dites que nous, bon, naturellement, lorsque vous jouez dans des lobby pété dans le quartier, et il y a des fake media, etc. Mais vous avez dit que 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 vous passé, non? Et moi, ce temps là, et moi, il est très douloureux pour nous bouche pas, dans tête pas. Je ne pensais pas pour me considérer sénateur Leblanc comme un traître à la nation haïtienne. C'est très douloureux. C'est très douloureux pour me
penser à sénateur Leblanc comme monde qui capable de rentrer en don bassin de corruption et de vol et que lui participer par action ou par omission. Et là, par exemple, n'a pas des affaires. D'ailleurs, sur antenne, on t'attendait qu'on ait un conseiller qui t'a parlé qui a utilisé les fonds de l'intelligence. Et c'est ton témoignage spontané, sincère et inconscient qui témoigne de l'inconscience des gens. Mais sénateur Leblanc, que moi-même été contribué pour y aller. Pas jamais un jour fini dans le collectif pour dire ah, monsieur, bon problème là, oui. Mais on va faire l'argent qui a réglé, on va faire de fonds intelligents. Mais qui j'en ai yo, et sauté pour utiliser. Colonel Rébu, ou même qui a habitué à faire dans l'intelligence de ce pays, qui j'en ai connu, j'ai réveillé ça. Et puis laisse à nous tout, t'as capable de refuser nous, nous a dit ok, mais qui position pour t'apprendre, pour t'affreiner ça, parce que c'est une dérive. Non, pas qu'on ne sache pas parler. Nous, tout simplement, tendez. Mais ça, où il est tendez en Haïti? Les couvrir, on peut l'autre bruit, ce qu'on peut passer, qu'on ne parle pas du tout, oui, de toute nature. Moi obligé tristement accepter et vous dit que moi contribuer c'est vrai ou papa m'a dit parce que moi même m'a songé jour soir nous dans une réunion pour nous faire choix pour voyer moun dans CPTA c'est moi qui ouvre bouche avant on me dit monsieur moi me penser moun alors avec qui on me dit ça moun qui n'ta cap voyer c'est sénateur Leblanc et moi même moi appuyer là 100% mais qui ça qui dans tête moi. Nous avons une image du Sénat, un sénateur Leblanc que nous tous connaissons dans la société. Nous sommes s'il nous vont côté des autres capes, la peuple veut mettre un certain frein et opposer à une série de bagailles pour éviter une série de dérives. Bon, nous, ouais, nous constater première dérive qui fait dans ce pays, c'est fait la douette, li, la signer un bagaille qui est contraire à règle qui mettait au pouvoir. Là, il y a le monde au pouvoir, il y a le faire bagaille. Avant, yon réussi nommé yon. Yon dit yon pral fait, gouvernement yon GTA, prend, on arrête pour nommé yon. Mette des mains dans cette mouille, moi, mali, monsieur, est-ce que nous, qui pour nous connaître, ou petit, c'est les mêmes qui ont une naissance à papa, la maman. Nous, pas comme un gouvernement qui passe trois ans pour la population, passe misère, qui pas bon, et puis qu'on y a ce conseil des ministres qui n'a pas évoqué yon. Qui pral signer ou arrêter pour nommer un instance qui pire ou pas celle qui est la présidence de la République. Comment nous capons barrer comme ça? Mais formalement, admettre tout, l'emmenant un espace démocratique, il y a 8 mounes, et que ces voix pas dans tellement de ça. Ou bien il y a 2 ou 3 autres mounes qui ouais, qui dit ah, eh ben, puis, je dis la majorité remporte, la majorité n'a pas toujours raison, et pas population toujours qu'on est sorti de bonne foi, la voter. On s'est eu du monde et puis les regarder, ouais, c'est le monde qui a fait du bagage contre intérêt ou contre la vie. Donc, moi-même, je admettre nos situations minoritaires. Mais si je dis solution à problème, ce n'est pas que je me cite avec personne à lever Haïti sous domaine. Comme ça, c'est quelque part, je me donne un gars reconnu, bien fou. Même temps de ou extrait qui a circulé sur les réseaux sociaux pendant le week-end, on voit un monde qui semble avoir. Et un grand présentateur, à un certain moment, qui dit Colonel Rébu même, et que ou reconnaître que ou toujours a fait un mauvais choix, ou dit mais qu'on y a tombé dans Edgar Leblanc. Problème ça a été arrivé et déjà avec Mirland Maniga, mais il me l'a rebu et me connaît. Si le du feu a li entré la den, c'est parce que son choix le fait pour entrer la den, il connaît que la guette en sorti pardon pour pas consommer tête li, non? Motion. On a dit. M'ba ouais du feu a entré la den. Pas gen personne monde qui a du feu qui a entré la den. Soit mieux. Il y a toujours des référentiels sociologiques. Si par exemple, un monde apparaît aujourd'hui, ou t'a dit, ou pral chita, un nom, une équipe politique, avec Madame Anita, un monde qui fait un mauvais choix, ou t'a dit, un monde qui va honnête, qui va faire. Si dans le conjoint que tu nous y es là, ou dit qu'on t'a pral réfléchi sur son bagage qui concerne Haïti, avec Edgar Leblanc, et vous dites, il faut pral régler tout le monde a dit, non, c'est pas vrai. J'ai fait des choix en fonction de ça. Moi, je crois
que société a comprendre de monde yo et de ça que moi-même moi comprendre de yo tout par rapport à ça me supposer qui histoire de société a à moins que kouni on pas vrai pas rien du tout mais vouloir play en bac avant la caille moi comme vous comprendre que moi pas lever tout ça là pour comme former toi avec monde si mal chita avec monde moi supposer moi ouais mais pas qu'on est en train de bagarre qu'on dit de mal de monde ça ni dans niveau incompétence ni dans niveau banditisme etc. Moi je suis d'abord un an deux ans m'a parlé avec eux moi caboué depuis faiblesse technique quand moi même je caboué de faiblesse que me gagne tout donc c'est l'ensemble des idées de ça nous gagne qui positif ça et met ensemble et puis si bloc le monde arrive face à réalité pouvoir et puis moi c'était un veste blanc et qui était sous le monde alors que en bas plein sang a coulé. Mais pourtant il y a l'autre monde. C'est pas faute mais il y a l'autre monde qui devait ça sous pas faute toi. Par exemple pour être déjà m'a parlé en pile tout temps sur des bails techniques. Mais pas un guide de bêtise de relé puis on met des non position pour mal résoudre problème intégrité qui dans la map cap ba résultat. On pas un guide ça non. Parce que Miguel m'a parlé tout temps qu'on est dans domaine que tu répète. Mais est-ce que on est vrai racine problème? Est-ce que je connais vraiment qui cause problème? Est-ce que je connais qui met pour me riser, identifier? L'homme qui me riser, identifier? Est-ce que je n'ai assez moyens, assez force pour me briser la neutralité? Donc, je suis capable de bonne foi. Et c'est dans la vie à qui ça vous dérape dans tout le bagage. C'est avec deux mondes de bonne foi. Maintenant, si vous avez une bonne foi, c'est le bagage que je si ça dérive avec Milan Maniga, ça dérive avec Edgar Leblanc. Donc, on y a qui ça pour me faire, pas chita avec personne encore. Et puis, il dit, bon, on va faire dossier à Haïti, à Mchita, là, pas peut-être qu'il en bon, moi. Ou bien, ma pangé, si ça vaut qu'à ma dîme, à Moulin, moi, pas gré, là, il n'y a pas intéressé. Ou fait carré, ou fait carré, colonel Rebu. Ou fait carré, à m'en pardon à peuple, là. Bon. Ou parti sous deux, toujours. Mais on sait le bagage, moi, qu'on aime de bonne foi. On nous venir sur l'autre point là. Pendant situation liée en mode aggravation, en mode détérioration, le Conseil de sécurité des Nations Unies reconduit pour un an, vendredi dernier, qui était 18 octobre, je crois ça, en tout cas pour un an jusqu'au 18 octobre 2025, régime sanction en vigueur et en Haïti. Mais qui ça baille ça, cabaille? Rien. Oui, mais c'est un film qui va continuer. Parce que les gens qui ont le pouvoir pour faire un bagaille. Premièrement, les États-Unis, moi, convaincu les États-Unis en un complot assassinat de la population haïtienne. Ça, c'est clair. Si les États-Unis voulaient faire un bagaille, ils connaissent tout le monde en Haïti qui a une potentialité. Ils ont gagné, record. Tout chef, vrai chef bandit, d'ailleurs, où il a fait liste pour le mettre sous sanction. C'est que vous connaissez, à partir de qui ça? À partir de quoi que vous avez placé de tel banque, tel côté, à partir de caillou, vous avez acheté tel côté, vous connaissez vrai bandit, parce que nous, qui ça vous dit? Vous mettez sous sanction en jouet. Pas étonné, jour où vous avez privé sur vous pour faire élection bloc, vous pouvez faire. Yo prend pose yo garde yo garde en bas yo dirige yo ou est propre moun y a découvert comme bandi yo c'est eux même qui vin candidat au Sénat à la députation à la présidence de la République yo pas dire yo quitte yo même dans tourner dans pour bien petit frère yo petit cousin yo vin donner président jour besoin prend pose y a fait élection que yo dit nous y a fait pas étonné ou maintenant les États-Unis gagne des intérêts stratégique que la défense en Haïti mandel à ça. Maintenant, la Chine et la Russie, nos positions très claires, tout ça où les États-Unis qui ne sont pas bon, ça n'a pas emmerdé eux qui ont quitté le fait. Par exemple, force multinationale, là, c'est la Chine et la Russie qui permettent de faire. Mais depuis le temps, c'est qu'on n'est pas tapé les résultats. Problème qui est là, Haïti, côté Mouna pour le cabaret là, c'est un bouton qui est dans la figure des États-Unis. Tant que la Russie et la Chine ont un capteur bouton d'avis de pigou dans les États-Unis, appellent. Surtout que n'ont pas besoin d'agir, ils ont juste fait abstention. Donc les États-Unis étaient à problème. Nien. Mais jouent les États-Unis. Si les États-Unis voulaient résoudre le problème Haïti,
Il faut pas avoir l'air de prendre sanction contre deux, trois mondes. Et vous, vous avez la tête frette qui détombe en Haïti. Vous connaissez mon gens parce que mon gens qui vole. C'est la carrière qui met des copes là. Par exemple, là, vous avez vu le gars qui a plaqué dans la figure comme premier ministre. Alors, c'est qu'on ne connaît pas tout l'argent et CIH là. Après le tremblement de terre, à ce débat là. Ce n'est pas Gary Conny qui est là, qui a géré pour Bill Clinton, tout l'argent a tombé dans la caisse Bill Clinton. Tout le monde connaît. Mais il fait l'ancien si pour carrément, il vient de faire. On va voir tout le monde dans CPT. Nous avons regardé le dernier moment de nos émissions avant de nous dire que Gary Conny est dans l'oreille calée. Son coup de zèle, il est pour, et puis les gens ouvert Géo. Et les Saint-Esprit prennent le titre. Tout le monde est vivant, Gary Conny, vivant Gary Conny. Mais je ne sais pas qu'on est Gary Conny, je ne sais pas qu'on est toi Gary Conny. Gary Conny vient là, ou pour essayer en mode rébellion, en mode bandit, la stimé des ordres d'un gouvernement qui n'en compte avec CPT, la paix, il tourne le système, mais j'envoie des lettres par-ci par-là, il y en a joué l'autre dans l'aide. Quel serait, il y en a joué l'autre, c'est fait maintenant pour lui déjouer l'autre, c'est gourmet même s'il le faut. Très bien, ce sont des êtres humains, ça vient d'arriver. Mais il y a écrit des lettres pour. A vi li tèt yo kòm moun ki nan tèt moun l'état ou sa jenè yon ta dè yo. Bon ba yon koun yon denye ki te yat nam gade, gari koun yon mette yon. Li oblige mette yon kasket ki nage PM nan tèt li chajou, pati l'pa si se li PM nan. Fon mette yon kasket pou nan tèt li bougen la mag de la bèt pou yon wèse li. Bon koun yon la li general chef, la prejit tout fos, teni tachte, teni kamouflaj li tout li, la pache. En guerre, c'est tout pour le parti en guerre. Moi, je dis pas pour aucune guerre. Parce que soit elle te dit, ou elle pas faire, c'est pas dire qu'elle fait. Qu'elle prend, caille par caille, quartier par quartier, village par village, ville par ville. Donc, c'est un message qui pose, bon, bah, c'est un message qui codé, que le pose pour le parti. Mais tout le monde qui a un problème, c'est nous-mêmes dans la population, et m'a dit clé. Solution à problème, c'est dans la population lui encore. Mais s'il faut continuer à se battre, il faut continuer à se battre jusqu'au dernier moment. Invitation à faire mal reprendre en bas avant de mal coucher à moi, mais si ma moule m'a dit comme à faire ça seulement, pas faire ça. Nous allons continuer à tromper jusqu'à la fin de mes jours, mais m'a continuer. Ou pas tromper sous conni, non? Non, mais depuis les connus, bon, moi-même, j'ai fait l'autre raison pour bien comprendre qu'on y va, c'est tout le monde. Mais qu'on y s'en donne même. C'est le même projet politique qu'Ariel Henry avait. Le projet politique conseil de gangsters qui devine voler comme pays, qui mette comme à l'étranger. Il y a deux, trois là-dedans qui punissent, ils n'ont pas accès à comme là. Ils ont besoin de retourner dans mon mail là encore. Et puis retourner dans mon mail là, ils ont des agents qui préparer piste là pour yo, même si yon pas venu directement, yon met des moun en poste indirectement pour qu'on al reprendre même volume l'argent parce que c'est yon compte quantité l'argent dans Haïti, c'est yon compte côté l'argent, oui, c'est yon compte qui mécanisme fait pour qu'on prenne l'argent yo, pour qu'on peut-être al mette dans l'autre pays européen ou bien marocain côté yon ya, pour qu'on recommande continuer la vie yon, même ça yon connaît. Depuis une trentaine d'années. Donc, c'est juste un élément. C'est un poste avancé que Gary Conny. Il n'est pas venu par hasard. Non, mais je dis, depuis une trentaine d'années, c'est même bagarre là. Je veux dire, c'est même yon même, non? Comprendre ça, font-il oui, passe par là? Et même lorsque. Soit dans le livre, Robert Barrière écrit sur la mécanique de la mise en place des agents pour détruire les gouvernements à partir de l'intérieur, c'est une stratégie de son doctrine. Bon, pendant que maman font retourner sous conflit qui gagne entre CPTA et m'a vu bon dit Gary Conny, m'a pas dit gouvernement et Leslie Voltaire nouveau président CPTA nous est vraiment livré qui m'a d'accord dégommer Gary Conny en passant par ministre affaires étrangères là Dominique Dupuis Jean Bay ça pour aller là tout monde pas risqué tomber ensemble bon affaire vous et là sous madame Dominique Dupuis
Moi, je pense que son approche qui est très lâche. Parce que Dominique Dupuy, qui a laissé ministre des Affaires étrangères, il va s'appeler pour compter pour la prendre des actions en matière de politique extérieure sans qu'il ne pas consulter avec le premier ministre ou plus normal avec la présidente. Maintenant, Jean Conflit a présenté, il est censé poser des actions sous instruction de Gary Conny contre la présidente. Le ministre n'est pas capable de faire ça. D'ailleurs, Gary Conny, il manque M. CPT de toute qualité des gars. Et les rapports de dégâts, mais de dégâts en public. Nous songeons à faire les premières fois de lever le parti. À 3h du matin, il dit que le président de la République a dit qu'il allait régler les problèmes politiques. Au point que les détournés n'ont que des ballons, les deux plats. Et des premiers contrats. Le bagage qu'a fait pour aller dans la 79e assemblée, monsieur fait liste. Il fait délégation, il prend délégation, il parti avec. L'arrivée, il présente comme délégation haïtienne, et puis il a tout appareillage pour accompagner la délégation haïtienne. Et puis, les États-Unis, ils ont obligé de dire le plan. Ah, nous-mêmes, nous avons des problèmes là. Nous ne pouvons pas recevoir, je ne peux pas recevoir, parce que la délégation haïtienne qui est déjà là. Même quand il arrive, les petits Voltaire. L'élection Voltaire a campé des portes pour le rentrer comme président d'Haïti. Mais je dis bien que mon sécurité est entré en tant que Gary Conny, ministre des Affaires étrangères, là avec le président Lula. Il a dit ça, mais on peut dire que l'élection Voltaire a des portes qui viennent de rentrer, il dit que c'est président d'Haïti. Si mon sécurité est être humain normal, qui ça Gary Conny a fait? Puis ça dit ministre des Affaires étrangères, a pas qu'à quitter le président Lula pour qu'on l'a. Aller chercher le conseiller électif Voltaire, faire l'entrée. Ça, il a fait tout pour ça. Maintenant, comme il a senti le chef, il a un pouvoir marcoutique dans le monde, ça va gêner pour humilier l'électif Voltaire devant des étrangers. Ne serait-ce que pour protéger le pouvoir étranger. Il a déjà fait ça, maintenant, il a quitté l'humiliation. Maintenant, afin de comprendre, et puis, après qu'on y a, c'est pas Dominique Dupuy pour punir. Je vous connais très bien que Dominique Dupuy n'est pas capable, en présence du premier ministre, de décision ça. Pourquoi? Le fond est le courage. Le problème, c'est Gary Conny. Et même tout le monde en présence, moi-même, dans le CPTM, depuis la première fois, Gary Conny était parti sans qu'il va avertir, il a tout été dans le pays côté de l'Union, le premier ministre s'est installé dans le match. Ils sont capables. C'est sous capable, il est dehors, car il tout bas au café. Qui paye tout normalement? L'or chef, moi je ne sais pas, l'or son maman ou papa ou la caille, et qui petit ou a vini, dit ton bab crasé tout bas dans la caille là, et bien, au bout de jour, il faut que l'on fait un intérieur. Faut qu'on ait sous qui bas là. Ça dit qui dit ce qui te fait. À moins que vous n'y ait ou admettre, c'est vous-même qui maman ou même qui papa, c'est qu'il entre en bas maintenant. Donc, moi quoi, a fait bas, mettez bas là, surtout madame Dominique Dupuy. Et quand je jouais du cinéma, tout le monde a gonflé tête, il y a presque fait le poids, c'est lui qui couvre une présidente. Donc, c'est de monter à utiliser ces mêmes gens avec Bandio. Donc, moi, je suis injuste pour avoir des mesures contre lui. Maintenant, bon, l'autre bagaille, tout. Bon, l'autre bagaille. Moi-même, moi, pas quoi. Et position que les civils ont pris, la prennent tout simplement parce que c'est un bagaille personnel aux États-Unis, non. Moi, je crois que. Et clavier politique là beaucoup plus grand, beaucoup plus large. Et acteurs qui ont des mouvements beaucoup plus sérieux. Le bagage a fini inévitablement. Ou bien CPT a d'accord la phrase ensemble avec Gary Conny, ou bien l'a obligé pour disposition pour faire Gary Conny. Même j'ai avec Ariel Henry. Là, on a eu chaud comme ça, yo, excité comme ça. Sans du moment où on va même chercher si on dit que côté de on va prendre l'eau. Pour un gars qui a appelé des bâtons, qui a fait du bâton là, on va te obtenir le premier ministre et vous va prendre s'il monte, s'il descend. Si vous avez dit, il y a un peu avec comme bagaille, commission fait un contrat le passé, la plevée du cobri, il retourne côté le théâtre tranquillement. Et puis business as usual. Mais ce n'est pas ça qui solutionne le problème, non. Parce que si vous avez un cancer, vous ne pouvez pas comprendre ça avec
alcool ou pété sous lit et peroxyde d'hydrogène ou pété sous lit pour résoudre. Mais dans le jeu de correspondance qu'a fait entre CPTA et Premier ministre Gary Conny, est-ce que dernière lettre Leslie Voltaire qui m'a aidé pour eh bien conseil présidentiel là ensemble avec Premier ministre changer et gouvernement alors que moi quoi c'est deux ou trois jours avant et après un conseil de gouvernement ministre était solidaire et de Gary Conny ça entraîne une stratégie lâche là tout non et Gary Conny lui-même dit son 4x4 alors là prend pour Ziguin blanc avec lui pour caprapone monsieur CPTO mais même si Gary Conny gain blanc c'est aussi pour blanc. Et puis, par exemple, qui m'a dit que blanc, parce que le président Vadeli. Qui m'a dit que blanc, parce que le président Jovenel Moïse. Qui m'a dit que blanc pendant 3 ans là, parce que Ariel Henry. Donc, même blanc, Gary Conny, nous proches là, on est même blanc, ça peut être pas le moyen. Pour qui m'a dit que blanc, parce que Jean-Claude Duvalier. Donc, affaire blanc, son véritable. C'est une image. Maintenant, ce qui est certain, Gary Conny, par exemple, l'hôtel est dévoué au Diabinicio. Bon, là, il dit, il fait Gary Conny. Son l'hôtel, c'est que M. Patipouenot a écrit dans l'accord 3 avril, là, qui résiste avant, il m'a pris il y a quoi, encore mal, ouais. Ou avant l'accord 3 avril, là, il a réécrit, il dit, si bon problème qui fait CPT à Bala, Premier ministre et avec le Conseil des ministres a assuré pour exécuter ça. C'est pas explosé à Gary Conny besoin appliquer la boule de Ariel Henry. Bon, Ariel Henry s'est tombé dans le trou avec méthode ça, bon, c'est lui-même, monsieur Bézin. Donc tout à fait l'être où est ministre cap solidaire, pour dire bien. Il n'y a pas qu'à faire l'autre bagaille. Donc même problème dans son problème, ça c'est CPT. Mais je suppose qu'il faut une stratégie pour de consolidation artificielle dans 2-3 jours qui sont là. Et puis, après que les gros matins, ils sont arrêtés, ils ont nommé le Premier ministre. Et puis, Gary Conny, vous voyez Gary Conny, il était radelé au palais, il est sous l'île tombé. C'est en campagne. Le soir de guerre. C'est directeur police là qui à côté elle mais là regardez ou dit mais oh chef police ça côté commandant c'est Gary Conny il est affiché là tant que tel Gary Conny c'est chef suprême effectif de la nation haïtienne parce qu'on n'a pas rien les forces armées d'Haïti seulement il y a des forces de toutes les forces réunies pas de réunion joint staff meeting c'est lui qui a coordonné avec commandant chef là mais commandant chef la police commandant force multinationale. C'est une situation de maladie mentale. Et m'a regardé que les sont qui constant avec docteur. Et il y a le syndrome de papa doc, des contextes sur ça. Ni Ariel Henry et ni Gary Conny, tout docteur d'armée on est papa doc. Donc où est-ce qu'on dit que c'est papa doc qui mettait en 1964 en tenue militaire kazakh dans cette nuit. C'est même la capacité de continuer c'est les bails maladie. Donc si un monde bien intentionné, c'est quoi ça, mais si ça a été promené, ou peut être des capons de trois jours de traitement, et puis vous avez tous ces bijoux, une combat pour vous. On nous finit là, et vraiment, et le a fait nous la guerre, on a fini sous le conseil électoral, sept membres. Madame Bounon, ou même que vous journaliste qui a longtemps, vous avez fait un aïe, vous pas tout, vous avez fait un blague. Un blague. Et puis, vous avez quoi là de nuit? Bon, ma nous vaille. Rétez pour vous. Y'a aucun droit. Bon, y'a plus de pas une des mondes pour remettre la place. Des mondes qui manquent. Mais moi-même, pas la personne, même avec cette mounes, non, matin, retourne de Yodou, moi, y'a fait l'élection dans tout le pays. Ah, moi, pas ta étonné, tout à l'heure, non, matin, cette mounes, non, nous, y'a pas fait l'élection dans tout le pays. Et que, c'est pas tout presque qui a un petit problème, c'est la Tibonique qui a un petit problème, et tout le reste pays à libre. Eh bien, nous allons faire l'élection à PDA, ZK, ZK, délégué de ville, président de la République. Pas grand-chose à bétonner, non, c'est à faire. Est-ce que ça va t'abétonner tout que ça a proposé à passer?
Ça vous pose à marcher? Non, oui, que et bah, marcher, non, passer. Qu'on a fait élection, qui élection à faire? C'est là, nous, dans marché. Oui, avec même conséquence, avec des conséquences, nous tombons dans un étage plus bas, nous tournons pour hier. Bon, bah, il y a un appel. Depuis après 1986, depuis après décembre 1986, nous, j'en prends élection, pour une disons élection, et même décembre 90, là, nous connaissons, personne n'a pas discuté, toute population de cœur élevé au Dieu de président. Mais même élection, ça, nous considérons comme élection démocratique. C'était une force électorale, sauf que nous n'avons pas dit que c'est acteur gouvernemental qui a fabriqué. Mais nous, pourquoi j'en fais élection? Tout simplement, parce que le système démocratique dans lequel nous sommes entrés, population pas éduquée, préparée suffisamment pour ça. Là, pour nous choisir le monde avec émotion, avec crainte. Et nous voyons que le virus a trahi. Nous voyons que nous voulons rentrer aux États-Unis. Tout. Et pourquoi on est dans une situation de délinquance absolue aux États-Unis, qui est président. Qui vont faire mon argument pour falsifier l'élection que le perdit. Et pas bon, là, le prêt pour le président. Bon. Donc c'est le monde qui a viré dans un mauvais moment. Maintenant, en Haïti, moi-même, quoi, c'est pour nous arriver à faire les associations de malfaiteurs monter très facilement. Pour nous arriver à créer des conditions pour nous venir une association de monde de bien, mais ça, c'est difficile. Colonel Imler Rebus, donc, il parlait en pile causé. Donc, nous ne pouvons pas perdre du temps. Nous ne pouvons pas perdre du temps. Faut entendre Colonel Imler Rebus. Donc, il fait en pile déclaration que nous connaissons que autant des sous en pile station sur déjà. Donc, il fait un pile déclaration que nous connaissons que autant des, donc, sous plusieurs autres et stations, donc, déjà. Et, mais, nous pourrions faire autant de ça. Ça, il vraiment, donc, en particulier. Donc, déclaration que il fait, hein, et côté que, et Colonel Imler Rebus, il est tracé un tableau qui vraiment sombre et tout, mettez toute responsabilité sous dos États-Unis. Donc, c'est lui-même qui participait dans mettez Haïti dans ça que lié là. Mais il faut que nous disions que les autorités américaines prennent une disposition dans l'affaire de produits, de marchandises qui sortent États-Unis pour rentrer et Haïti. Il y a une autre mesure là. Donc, comment que vous avez combattre le trafic en armes et illégal qui sortit dans la Floride, surtout qui rentrait à Haïti. Selon le rapport expert Nations Unies, vous avez sorti. Donc, la majorité des armes qui sont dans la donc, vous avez sorti États-Unis, particulièrement dans État Floride. Eh bien, donc autorité américaine, donc ils ont pris disposition, ils ont pris à changer donc loi sur exportation de l'eau qui a sorti États-Unis pour rentrer donc Haïti pour que ils puissent contrôler les armes, munitions qui peuvent passer dans les ports maritimes pour arriver donc Haïti, zami famille. Là, Imler Rebus, zami famille. Donc, je crois que vous avez pris tout le temps ou tout plaisir pour te garder vidéo ça des commencements à la fin. Donc, si vous avez à peine tombé sur le channel, ça pas oublier abonner, peser bouton de notification pour pas rater aucune vidéo et nous saluer tous les amis nous qui un peu partout dans le monde là qui toujours ba nous love là qui apprécie travers ça que n'a fait et nous saluer quel que soit côté que et ouyé quitte à moi-même on va rejoindre moi dans prochaine vidéo qui apparaîtra sur écran que moi invité ou cliquer et connia.